Hey, salut, c'est Goudrel. Je suis à Val-des-Monts. Je suis venu faire une petite évaluation pour un 2 par 6, un domaine Grimm. Je montre la couleur de la cheminée. Vous avez amené l'aspirateur? Non, Gilles, bon, je vous montre ça là, à l'intérieur. C'est un petit 2 par 6 Dominion Grimm, c'est un évaporateur avec une panne à pied dans le feu. On m'a demandé là, ici, là, on perd beaucoup de chaleur. Regardez la couleur de la cheminée. Là. Vous voyez, là, ça fait que je vais venir là, y faire des changements, comme à l'habitude que je fais. Pour améliorer le sort de l'évaporateur, là, parce que cet évaporateur-là, là, ben, ça brûle pas bien les gaz. J'ai pas la panne à plier ici, là, mais je l'ai vu, là, et puis c'est tout simplement carbonisé, là. Il y a une croûte là-dessus, là, effrayant. Ça fait qu'il y a beaucoup trop de cire dans la cheminée. Il n'y a aucun contrôle à part la trappe à l'air en avant, là. Mais la plupart du temps, à cause que la cire est élevée, la plupart du temps, là, la trappe à l'air en avant ici est fermée, là. Ça fait qu'on étouffe le feu constamment, ça fait que ça... Tu peux pas bien brûler les gaz, là. Ça fait qu'on va venir y faire des changements. On va soulever les pannes de 3 pouces. On va soulever la souche de 3 pouces. On va y installer une clé. On va refaire le fond. Regardez la grande montée qu'il y a dedans, là. Grande montée, là. Ça fait qu'on va changer ça, là. On va mettre de la laine réfractaire. On va enlever de la brique. Il y a trop de briques là-dedans, là. Et puis, tous ces changements-là, avec la clé, le ventilateur, manifold, le soulevé et panne, regarde de faire un creux de vague, là. Ben, l'évaporateur, là, va changer de poêle, là. Va tout simplement changer de poêle, parce que, présentement, là, tu gaspilles ben du bois, là. Parce que tu envoies, plus que 80% de la chaleur, tu l'envoies dehors, là. C'est pas efficace pantoute, là. Fait que nous, on va changer ça pour être capable de mieux utiliser ta chaleur. Puis ça, ben ça va changer. Ça va changer son patron de bouillage et tout, hein. Ça va améliorer le sort, là, au niveau de la production. Il va produire pas mal plus de sirop et puis il va gaspiller moins du bois, là. Ça fait que c'est ça les changements qu'on va venir faire ça. Quelque temps, là, au mois d'octobre, là. Anyway, fait que je vous laisse là-dessus. C'est une petite vidéo vite faite. Qui se trouve être dans le fond, là, la première évaluation que je fais cette année, là, en 2023. Je commence tout le temps à faire, là, les évaluations et puis les upgrades d'évaporateurs, là, au mois de septembre, là. Fait qu'aujourd'hui, on est le 21 août. Fait que ça s'en vient, là, une nouvelle saison qui débute bientôt pour moi, là. Et puis, ben ça, ben, je suis venu faire l'évaluation parce que lui, il demeure tout près de chez moi. On est à Val-des-Monts aussi. Fait que t'es tout près de chez moi, là. Ça fait que, anyway, fait que je vous laisse là-dessus. Et puis, on se reprend plus tard avec l'upgrade de cet évaporateur-là, là. Salutations.